On va commencer. Ceux qui sont un peu loin, peut-être essayez de vous rapprocher, hein. Si, enfin, sauf si vous préférez rester loin. Faites ce que vous voulez, mais on n'a jamais mangé personne encore. Alors, juste pour vous rappeler un peu, je vais retirer un petit peu le programme de l'après-midi. Je vous propose de continuer les discussions. Il y aura une petite pause à 15h. Là, on va faire une demi-heure de présentation de résultats sur les thèmes dynamique économique et mobilité professionnelle. Donc, pour ceux qui ont assisté aux ateliers ce matin, il y aura sans doute des fois un peu de redite. Bon, on dit souvent que l'apprentissage, c'est la répétition. Donc, il n'y a pas de souci. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez des questions, gardez-les pour le temps d'échange qui arrivera à 14h30, une fois qu'on aura terminé. Ce sera plus facile que de couper au fur et à mesure les choses. Voilà. Donc, ce qu'on va vous présenter, donc c'est en deux temps, dynamique éco et mobilité professionnelle. Donc, c'est un travail qu'on l'a dit ce matin, mais qu'on commence juste hein, finalement depuis janvier, où on travaille plus, on approfondit plus, on va dire, ces sujets-là, notamment à l'échelle Grand Poitiers et puis zone d'emploi de Poitiers. Donc là, notre présentation, on va essayer un maximum, c'est un peu plus universitaire, on va dire, que ce qu'on a fait ce matin, de d'abord vous donner des éléments de contexte sur les sujets sur lesquels on va échanger. Donner aussi quelques infos sur les méthodologies qu'on a utilisées, mais sans rentrer dans des choses trop complexes. Je vous inviterai notamment, si vous avez récupéré la petite plaquette qui est à l'entrée, il y a deux liens dessus, il y a deux QR codes notamment, qui vous donnent accès à des sites, des QR codes. Je ne sais pas si vous pouvez avec votre téléphone télécharger une application qui lit les QR codes. Vous photographiez le QR code et ça vous donne accès à une page web directement. Et ces pages web, c'est deux pages web que Mathieu a construites, qui sont des pages web dédiées à des thématiques. Donc il y a une page web emploi, dynamique économique et une page web mobilité professionnelle. L'idée, c'est qu'à terme, on enrichisse d'autres pages web sur d'autres thématiques au cours des deux années du projet. Donc si vous voulez vraiment plus d'infos sur tout ça, je vous invite à consulter ces pages web. On va présenter donc les premiers résultats. Donc comme on a une demi-heure, on va essayer d'être assez concis. Et puis, on va aussi donner des pistes un peu sur comment on envisage de travailler par la suite. Alors, sur la question du contexte, enfin, des dynamiques économiques, il est toujours intéressant. Alors, ce matin, ceux qui ont assisté au quiz, on l'a répété, de toujours mettre en perspective ce qui se passe à une échelle locale avec ce qui se passe à une échelle plus grande. Alors souvent, on prend l'échelle nationale comme élément de référence, mais ça peut être d'autres types d'échelles. Et quand on regarde des informations liées à l'emploi à l'échelle nationale, on voit des dynamiques qui marquent clairement la croissance de l'emploi en France. Ici, vous voyez, vous avez une carte qui cherche à représenter le taux de croissance de l'emploi entre 2007 et 2015 sur le territoire national. Plus les zones sont foncées, plus la croissance est forte, plus les zones sont claires, moins elle est forte, voire négative. Donc on voit qu'on a toute une partie du territoire qui est la façade atlantique et le grand sud-est, avec l'aspect façade méditerranéenne, plus la vallée du Rhône, où on a une croissance de l'emploi qui est forte. Donc c'est les dynamiques locales de la croissance répartie ainsi sur le territoire national. Et donc là, on est sur de la donnée qu'on utilise, qui est issue du recensement de la population. Et en fait, cette croissance, elle est corrélée fortement à l'évolution de l'emploi, l'évolution de la population, pardon, sur le territoire national. C'est-à-dire que nos territoires qui gagnent des emplois sont aussi les territoires qui gagnent de la population. Alors là, c'est un résultat très classique, on va dire, en économie, où l'essentiel de la croissance économique, souvent, enfin au sens large, la moitié, on va dire, de la croissance économique est liée à un effet démographique. C'est-à-dire que les territoires qui connaissent une croissance démographique ou les pays qui connaissent des croissances démographiques ont mécaniquement plus de chances de connaître une croissance économique. L'autre partie de la croissance, elle s'explique par des enjeux d'innovation, d'investissement, etc.
Donc on voit qu'on a les mêmes territoires qui croient d'un point de vue emploi et population. Alors, une fois ce contexte national posé, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'échelle locale et qu'est-ce qui caractérise notre territoire, qui est le territoire de Poitiers, au regard de cette dynamique nationale? Donc, la première chose à faire, c'est déjà de se poser la question du territoire qu'on va retenir pour l'analyse. Il y a pléthore de territoires possibles pour analyser des données statistiques. Et forcément, le choix d'un découpage induit des résultats qui vont varier les uns par rapport aux autres. Donc ce qu'on disait ce matin, c'est que sur toutes les questions d'analyse des dynamiques économiques, il y a une zone d'emploi, il y a un territoire pardon, qui est propice à l'analyse des dynamiques du marché du travail, des dynamiques économiques, c'est ce qu'on appelle la zone d'emploi. Alors vous voyez, c'est les grands traits noirs ici. Et là, ce que j'entoure, c'est la zone d'emploi de Poitiers. On a en France, c'est une plus de 300, je crois, c'est ça, 322 zones d'emploi. Et chacune de ces zones d'emploi, en fait, ce sont des territoires où au moins 40% de la population réside et travaille. C'est-à-dire qu'on utilise les mobilités professionnelles pour caractériser ces territoires. Et donc, elles ont un sens économique, ces zones, puisque les gens passent leur temps sur ces territoires-là. Alors vous voyez, on a des zones d'emploi de tailles différentes. Celle de Poitiers, elle est assez grande, mais on a ici celle de Châtellerault qui est plus réduite, celle de Parthenay qui est vraiment encore plus réduite. On a des zones d'emploi qui sont à cheval sur plusieurs territoires, enfin plusieurs départements. On a celle-ci, là, c'est Thouars-Loudun, où au milieu, on a la séparation entre les Deux-Sèvres et la Vienne. Ces zones d'emploi, elles ne respectent pas forcément les limites administratives, ce qui pose toujours la question en termes de développement économique et d'analyse, sur, ok, on observe des dynamiques à ces échelles-là. Moi, par exemple, communauté de communes du nord ou du sud de la Vienne, si je sors un peu du cas de Poitiers, comment je me positionne par rapport à ces dynamiques globales? Puisque j'ai des leviers d'action, mais comme ça s'inscrit sur un territoire plus large, comment je les mets en œuvre? On a fait le choix aussi de représenter du coup la communauté urbaine de Poitiers ici pour que vous voyez qu'elle est inclus dans la zone d'emploi de Poitiers, mais qu'elle n'est pas seule. Donc ça pose aussi la question de comment on favorise les interrelations, les interconnexions, les projets communs avec les territoires qui partagent cet espace de vie économique. Donc les résultats qu'on va vous présenter vont être essentiellement sur l'échelle zone d'emploi. Ce matin, il y a une question qui était intéressante, qui a été évoquée. C'était, alors c'est bien de comparer les dynamiques économiques et sectorielles au niveau national, mais est-ce que ce ne serait pas plus pertinent d'identifier des zones d'emploi comparables? Donc c'est un travail qu'on a fait, qui est à approfondir parce qu'on vient de le commencer. Et pour cela, en fait, il y a deux méthodes. Soit on peut se dire, bon, une zone d'emploi comparable, c'est une zone d'emploi qui est à peu près la même taille, puisqu'on estime que les fonctions occupées par ces territoires sont les mêmes en lien avec leur taille. Les grandes métropoles vont avoir des fonctions d'emploi, des fonctions d'habitat, etc., qui vont être spécifiques. Les villes intermédiaires vont avoir des fonctions spécifiques, les zones rurales, etc., etc. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, on peut prendre en compte la taille du territoire, mais le problème, c'est que la taille du territoire n'indique pas une ressemblance dans la structure des territoires. Donc la deuxième question, c'est de se dire, dans nos activités économiques, sur un territoire donné, quelle structure économique peut être comparée avec quelle autre sur un autre territoire? Donc, il y a un indice qu'on peut calculer, c'est un indice qu'on appelle de Krugman, qui cherche à identifier les territoires ayant la même structure sectorielle. Je vais faire simple. Admettons, on a quatre secteurs. Le secteur public, la construction, le commerce et l'agriculture. C'est faux, mais on raisonne comme ça. Et ben, l'idée, ça va être de retrouver des territoires qui ont la même proportion de chacun de ces secteurs, pour pouvoir les comparer à notre territoire et se dire, parmi cet ensemble qui est assez homogène, quelles différences on observe au sein de cet ensemble. Donc on a identifié, nous, 6 zones d'emploi qui ressemblent beaucoup à celles de Poitiers, à la fois par leur taille, à la fois par leur structure sectorielle. Ce sont les zones d'emploi d'Angers, de Caen, de Nancy, de Besançon, de Nîmes et de Limoges. On va juste vous proposer un petit graphique
qui permet de comparer sur quelques données ces territoires. Alors vous voyez, en rouge, on a représenté le taux de croissance de l'emploi entre 2007 et 2015. En gris, le taux de croissance du chômage sur la même période, 2007-2015. Et en bleu, c'est le taux de chômage en 2015. Donc on voit par exemple qu'à l'extrême gauche du graphique, la zone d'emploi de Limoges est celle qui a connu la plus forte croissance du chômage sur la période, 46%. Et en même temps, c'est celle qui a connu la plus faible croissance, qui a même connu une décroissance, de l'emploi. Poitiers se positionne, vous le voyez tous, Poitiers est ici. Poitiers, c'est une faible croissance de l'emploi et une croissance du chômage qui est parmi les plus faibles aussi, ces territoires comparables. Et ce qui est intéressant, c'est que Poitiers, c'est aussi parmi ces territoires comparables, la zone d'emploi de Poitiers, c'est elle qui a le taux de chômage le plus faible en 2015. Ce qu'on peut en dire, ça nécessiterait un approfondissement, mais ce qu'on peut en dire, c'est que finalement Poitiers, par rapport à des villes comparables, sur ces indicateurs-là, n'est pas mal positionné du tout. Le taux de chômage étant assez faible, il a peu augmenté. La croissance de l'emploi augmente peu. Bon, bah, finalement, peut-être qu'il y a une sorte d'adéquation sur le marché du travail entre les gens qui ont besoin de travail, ceux qui n'en trouvent pas, et puis les demandes d'entreprise, qui est assez bonne et qui est assez limitée aussi sur les potentiels de croissance. Voilà ce qu'on peut en dire. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez, il y a une ville comme Nîmes. Nîmes, taux de chômage très fort en 2015. Vous voyez, Nîmes, c'est à plus de 14% de taux de chômage. Enfin, une zone d'emploi comme Nîmes, pardon. Taux de croissance très fort, taux de chômage très fort. Et pourtant, elle a connu une croissance du chômage peu élevée sur la période. Et elle connaît une croissance de l'emploi forte. Donc on peut avoir des territoires où le chômage augmente, mais où la croissance de l'emploi augmente. C'est pas forcément l'un sans l'autre, où il y a des configurations variées. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de noter quand on analyse les territoires, c'est de se rendre compte que chaque territoire a des configurations variées qui font que on doit réfléchir à des mises en œuvre d'actions adaptées au territoire. Pas besoin forcément d'aller copier ce qui se fait chez le voisin ou d'imaginer que le voisin est notre concurrent quand il a un contexte qui est totalement différent du nôtre. Une fois qu'on a identifié des territoires comparables, maintenant on va plus se focaliser sur ce qui se passe vraiment sur la zone d'emploi de Poitiers. Donc il y a deux questions qu'on peut se poser quand on réfléchit à ces sujets-là. C'est quelles sont les activités finalement qui rassemblent le plus d'emplois sur notre territoire et finalement quelles sont les activités qui sont surreprésentées sur notre territoire par rapport à leur poids dans un autre ensemble plus grand. Alors là, c'est l'économie nationale, mais ça pourrait être les territoires comparables qu'on a identifiés auparavant. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir ce raisonnement en relatif. C'est-à-dire notre territoire, soit on le regarde juste pour ce qu'il est, sans regarder ce qui se passe autour, soit on se dit, bon, bah, c'est quoi les dynamiques plus globales et finalement, comment on s'inscrit dans ces dynamiques globales. Avant de passer la parole à Laura, je vais revenir sur les sources de données qu'on a mobilisées pour faire ce travail, et notamment pour analyser les dynamiques économiques, les dynamiques d'emploi par secteur d'activité. On a trois sources de données en France, qui sont deux qui sont produites notamment par l'INSEE, le recensement de la population. Donc là, on interroge les individus. Vous avez peut-être tous, enfin je sais pas, parmi vous, il y en a sans doute qui ont répondu à des enquêtes INSEE pour avoir plein d'infos sur leur habitat, leur métier, comment ils se déplacent, etc. Et ce recensement de population permet du coup de collecter de l'info et estimer des emplois par secteur. On a des données CLAP. CLAP, c'est connaissance locale de l'appareil productif, où là, on récupère de la donnée, l'INSEE récupère de la donnée auprès de différents organismes pour avoir des informations sur les entreprises. Le problème, c'est qu'on n'a pas de recul sur ces données-là. C'est très difficile, finalement, d'avoir une analyse de la dynamique sur une longue période. Et puis, il y a les données ACOS, qui sont les données sur l'emploi salarié privé. ACOS, c'est l'URSSAF, en gros, qui contribue le plus à ACOS. Et ces données-là, elles sont intéressantes puisqu'elles se focalisent sur une partie particulière, enfin, par une sous-partie des emplois, qui sont les emplois salariés privés. Et donc, on voit que
en fonction des sources de données mobilisées, ben, on n'a pas les mêmes effectifs, on ne regarde pas la même chose sur le territoire. Donc la source la plus large, mais qui est la moins, qui est la moins fine en termes de découpage sectoriel, c'est la source recensement de population, où là, on peut analyser les choses en 38 secteurs. Alors que la source à cause, on peut analyser les dynamiques en 732 secteurs, qui est la nomenclature la plus fine. Je vais laisser passer la parole à Laura. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous présenter en fait l'évolution de l'emploi total et de l'emploi privé donc à différentes échelles. Donc dans un premier temps, je voudrais préciser qu'on a volontairement choisi la période 2007-2015 parce que 2015, en fait, c'est les données les plus récentes qu'on a de l'INSEE du recensement de la population. Et voilà, donc on peut voir qu'en fait, sur la France entière, l'emploi a augmenté de 1,2% donc sur cette période et que cette croissance a été moins marquée à l'échelle locale, notamment à l'échelle de la zone d'emploi. Ensuite, donc on a étudié, comme l'a dit Étienne, les données ACOS donc sur l'emploi salarié privé. Donc là, on avait des données plus récentes, donc on aurait pu faire la période 2007-2017, mais pour comparer avec les données du recensement de la population, on a préféré conserver la période 2007-2015. Donc on voit que sur cette période, l'emploi salarié privé il a diminué sur la France entière et que cette décroissance de l'emploi elle a été beaucoup plus marquée à l'échelle locale. On a quand même voulu observer en fait, l'évolution de l'emploi sur une période plus récente. Donc on a regardé 2015-2017 et on voit que en fait, la tendance s'inverse puisque l'emploi il a augmenté. Même si cette croissance elle a été quand même moins marquée à l'échelle de la zone d'emploi qu'à l'échelle de Grand Poitiers ou de la France entière. Donc, cette carte elle montre en fait, l'évolution de l'emploi par commune. Donc, au niveau de la légende, en fait, plus la couleur elle est foncée, plus la croissance de l'emploi elle a été forte. Et les points rouges en fait, ils sont proportionnels au nombre d'emplois par commune. Donc on voit que la commune de Poitiers et les communes alentours, donc l'aire urbaine, elles sont génératrices d'emplois et qu'au contraire, au sud de la zone d'emploi, on observe une décroissance de l'emploi qui est assez marquée. Donc ensuite, en fait, l'objectif de notre analyse statistique, c'était de faire ressortir les secteurs caractéristiques du territoire, donc ceux qui sont le plus représentés. Enfin, qui sont plus présents sur la zone d'emploi qu'en moyenne en France. Il y a 8 secteurs qui ressortent. Donc, on retrouve les secteurs publics comme activité pour la santé humaine, enseignement, administration publique. Mais il y a un secteur caractéristique qui ressort particulièrement, c'est le secteur hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement. Donc, il représente 10% de l'emploi total de la zone d'emploi. Et il emploie sur Poitiers et ses alentours 1,3 fois plus de salariés qu'en moyenne en France. Il est en croissance à l'échelle locale et à l'échelle nationale, mais on voit que le nombre d'emplois il augmente plus à l'échelle de la zone d'emploi qu'en France. Ce secteur il compte 736 établissements sur la zone d'emploi. Ils sont plus présents, ça se concentre en fait sur la commune de Poitiers et les communes alentours, même s'il y a quand même plusieurs points importants, notamment là dans le sud, vers Montmorillon. Ce secteur est composé de 48% d'associations et 24% ce sont des centres communaux d'action sociale. Ensuite, on a focalisé notre étude sur l'emploi privé. On a utilisé les données ACOS, qui nous permet d'avoir un découpage plus fin, comme l'a dit Étienne, en 732 secteurs. Donc, on a identifié 9 secteurs caractéristiques de la zone d'emploi. Et donc, il y a un secteur qui ressort plus que les autres, parce que c'est le secteur activité des centres d'appel. Donc, il représente 5% de l'emploi total de la zone d'emploi de Poitiers, donc ce qui est assez important. Et il emploie 11,6 fois plus de personnes qu'en moyenne en France. Donc il a une dynamique nationale qui est assez importante quand même,
plus 34% entre 2007 et 2015. La dynamique locale, elle est également positive, mais elle est quand même moins forte. Donc les établissements, donc il y en a 14 et ils sont majoritairement présents sur Chasseneuil-du-Poitou, donc autour du Futuroscope, donc 9 sur 14. Donc on identifie notamment LC France, Aquitel, CCA International. Donc juste pour dire un petit peu sur la suite du travail, parce que là c'est vraiment qu'un tout début, on brasse des statistiques, on identifie des activités plus présentes. Donc il y a un enjeu de comprendre pourquoi c'est plus présent ici qu'ailleurs. Et puis surtout un enjeu de faire du travail plus qualitatif, d'aller rencontrer les entreprises, d'aller rencontrer sans doute des salariés aussi, des personnes qui travaillent dans ces entreprises, pour identifier les problématiques que ces activités-là, un peu spécifiques, les problématiques qu'elles rencontrent, les problématiques qui peuvent être très très larges. On sait par exemple que dans beaucoup d'endroits aujourd'hui en France, beaucoup d'entreprises disent on a des problèmes pour recruter. Donc est-ce qu'on observe ça ou pas, et pourquoi, etc. Et puis sans doute connecter à d'autres, parce que c'est tout l'intérêt et toute la difficulté de travailler sur les territoires, c'est de bien repérer aussi toutes les interdépendances entre plusieurs problématiques. Par exemple, là vous avez vu sur centre d'appel, 2500 personnes, puis on va le revoir je pense avec Mathieu après, 2500 personnes qui travaillent sur la zone du Futuroscope, ça fait beaucoup de gens qui se déplacent. Donc des mobilités domicile-travail. Donc comment c'est géré, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, etc. Et aussi, je crois que Pascal l'a dit ce matin en préambule, c'est pouvoir vraiment échanger avec les habitants, avec les salariés du territoire de Grand Poitiers, pour aussi identifier les problématiques que peut-être on n'imagine pas. Donc il y a toujours cette volonté aussi de, à la fois de faire du travail quantitatif, qualitatif, et puis essayer d'être dans des logiques de co-construction, d'analyse de la recherche. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais passer la parole à Mathieu. Alors c'est le jeu des chaises musicales. Alors petite transition, toutes les cartes que vous avez pu voir jusqu'à présent et les prochaines, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de la Fédération Territoire. Donc shespaule.univ-poitiers.fr, territoire, et dans une partie projet scientifique, territorial GP40, emploi à Poitiers, mobilité à Grand Poitiers. Vous pouvez les trouver évidemment avec le QR code pour les plus modernes d'entre vous, les plus connectés. Et c'est évidemment des rubriques que l'on va enrichir sur les deux années de travail. Donc, pour les questions d'emploi, vous pourrez retrouver évidemment tout ce qui a été dit aujourd'hui sur ce volet emploi avec les différentes cartes. Vous pourrez approfondir évidemment sur les questions de méthode. Vous regardez finalement comment se compose ou se décompose tel ou tel secteur. Et puis voir par secteur finalement tout ce qui a été dit ou tout ce qui n'a pas encore été précisé. Sur la question des mobilités, donc on s'est posé quelques questions qui étaient tout simplement comment se répartissent ces mobilités, ces flux. Alors un point de méthode assez rapidement. Les flux qu'on a essayé de représenter, c'est des flux domicile-travail. Donc pour être un peu en cohérence avec ce qui s'est déjà dit au préalable, pourquoi domicile-travail ? Puisque tout simplement, ce sont des flux qui sont dans la plupart du temps des flux contraints. Donc on peut choisir assez facilement son employeur, mais on choisit assez peu l'emplacement ou la situation de son site de travail. Ensuite, ce sont aussi des phénomènes massifs. On a environ 28 millions d'actifs de plus de 15 ans qui sont occupés. Et sur ces 28 millions, on a environ 7,9 millions de personnes qui ont répondu aux questions sur les mobilités. Donc ça va faire un taux de réponse assez important et assez représentatif finalement sur tout un territoire.
Et ensuite, c'est aussi un phénomène assez stable dans le temps. En dehors des quelques salariés qui peuvent avoir du télétravail, et encore c'est assez limité, on a à peu près 14% de la population qui est en télétravail en 2017, et c'est quelques structures, quelques secteurs d'activité, donc c'est pas forcément quelque chose de massif encore, et qu'on peut quantifier assez facilement, quoi. Donc on laisse ça de côté. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux questions de mobilité, domicile-travail. Donc on va voir les premiers résultats, qui sont des résultats au niveau des EPCI. Donc on va prendre les territoires des EPCI et on va voir quels sont les différents échanges entre ces territoires-là. Donc on a pris les territoires qui sont du centre-ouest atlantique. On a fait une sélection sur les flux qui sont supérieurs à 200 entités, donc 200 personnes par jour entre le domicile et le travail. Et ce qu'on va remarquer, c'est que finalement, chaque EPCI a un peu sa propre logique. On n'a pas forcément exactement les mêmes logiques sur le territoire. Les seules choses qu'on va remarquer, c'est que finalement, il y a des développements de flux qui sont radioconcentriques. Donc c'est un peu ce qu'on observe en géo un peu classique, hein. C'est les modèles de Kristaller avec le modèle en étoile où tout se répète un peu à l'infini. Bon, si je prends ce type de modèle, c'est un peu ce qu'on va retrouver globalement sur ce type de carte, donc il n'y a pas forcément de grandes surprises. On va aussi avoir des flux qui vont être très importants de petites communes vers grandes communes voisines ou limitrophes. Et c'est pareil pour les EPCI finalement. Donc on va avoir beaucoup de flux entre EPCI voisins et ce qu'on retrouve sur Poitiers et Grand Poitiers, du coup, c'est que les EPCI qui échangent le plus avec Grand Poitiers, c'est les EPCI vraiment limitrophes, donc Haut-Poitou et puis Vallée du Clain et Pays-Châtel-Rodet, tout simplement. Et puis ce qu'on peut voir aussi, donc là on n'a pas trop évoqué les questions d'évolution dans le temps, mais globalement, il n'y a pas une évolution majeure, il n'y a pas de grande cassure. En tout cas, sur deux années assez proches, il y a quasiment très peu d'évolution ou très peu de changements. Voilà, c'est ce qu'on a pu remarquer avec différentes données. Donc voilà pour les flux au départ et à destination de Poitiers. Vous voyez, Châtel-Rodet, Haut-Poitou et puis Vallée du Clain qui sont vraiment les destinations et les points de départ vers Poitiers et Grand Poitiers plutôt. Oui, alors là, juste pour préciser, en gris, ce sont les flux à destination de Grand Poitiers et en rouge, ce sont les flux au départ de Grand Poitiers. Voilà, donc Châtellerault, c'est l'une des premières destinations. En fait, en flux, on est à peu près, on est à peu près 9 000 personnes, pardon, qui vont du Haut-Poitou à Grand Poitiers. Et après, en flux inverse, on a à peu près 1 500 personnes de Grand Poitiers qui vont au Haut-Poitou. Et Châtellerault, c'est à peu près 4 600 personnes. Qui se déplace du Châtel-Rodet vers Grand Poitiers et à peu près 3 000 personnes qui font le chemin inverse. Donc là, on est sur un flux à peu près équilibré. Voilà. Donc on a des logiques d'effets miroirs qui sont assez importants, c'est-à-dire que les flux sont souvent, se répondent l'un à l'autre, même s'ils ne se répondent pas en volume, quoi. On passe à la suivante. Alors on s'est intéressé au flux, donc toujours domicile-travail, et cette fois-ci à l'intérieur de Grand Poitiers. Donc pour essayer d'avoir peut-être un regard un peu différent. Ce qu'on peut voir déjà sur les flux, sans aucun filtre, sans aucune sélection, ni aucune représentation particulière, c'est qu'il y a une grande diversité de flux, et des flux assez massifs, autour de Poitiers et des communes limitrophes. On va aussi avoir des flux assez importants vers des communes éloignées. Et puis on va aussi avoir une multitude de tout petits flux
qui finalement vont mailler ce territoire sur l'ensemble des communes. Alors, si on prend les tout petits flux, il faut préciser que dans les données stats de l'INSEE, il est précisé qu'on doit prendre avec beaucoup de précaution ces petits flux qui représentent souvent de 5 à 10 personnes. Il est aussi précisé qu'il est préférable de prendre de traiter et d'interpréter les flux à partir de 100, voire 200 unités par jour. Vu les petits effectifs qui sont observés lors des enquêtes, si on les multiplie et si on les pondère à chaque fois, on va retrouver des choses assez faibles. Mais c'est quand même des résultats intéressants parce qu'on peut voir ou entrevoir une multitude d'interactions sur ce territoire-là, malgré tout. On va avancer. Et là, ce qu'on peut voir de manière assez sûre sur Poitiers et du coup Grand Poitiers, c'est les échanges entre les communes de Grand Poitiers et Poitiers. Donc là, en jaune, on va avoir les flux au départ de Poitiers vers les autres communes de Grand Poitiers, et en gris, les flux à destination de Poitiers. Est-ce que vous observez quelque chose de particulier ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Transition avec la prochaine diapo. Là, il y a un bouquin d'Olivier Boubaga au premier qui découvre le... Non, il y a quelque chose là qui peut être assez intéressant. C'est finalement cette règle qui pouvait être que les petites communes échangent beaucoup avec les plus grosses. En fait, elle est quasiment, c'est quasiment constant sur tout le territoire. Sauf pour ce qu'on disait tout à l'heure, les communes limitrophes, et en particulier celle-ci, donc Chasseneuil-du-Poitou, qui échange en effet, qui fait venir plus de 2000 personnes depuis Poitiers, mais qui envoie à peu près 600 personnes à Poitiers. Donc en fait, il y a un déséquilibre total sur ces deux communes, alors qu'on pourrait penser qu'il y a au moins autant d'emplois dans Poitiers. Qui pourrait attirer autant de personnes depuis Chasseneuil, mais ce n'est pas du tout cet effet-là quoi, qu'on observe. Alors sur ces communes-là qui sont limitrophes avec la commune de Poitiers, on a finalement quelque chose d'assez homogène. On a des échanges qui sont assez répartis sur le territoire, mais qui avec Poitiers sont en déséquilibre total. C'est-à-dire que c'est quasiment un binôme. Ça va être Biard-Poitiers, ça va être Poitiers-Ligugé, etc. Mais quelques autres petits échanges aux alentours. Et une très très forte dépendance vis-à-vis de la commune centrale. Pierre fait une intervention. Oui, je voulais signaler que sur cette carte, on voit bien, au-delà de Poitiers, apparaître quelques éléments qu'on pourrait qualifier de centres secondaires de mobilité. Fontaine-le-Comte ou Mignaloux-Beauvoir. Ou d'une façon un petit peu plus différente, Vouneuil-sous-Biard apparaissent comme des éléments qui captent, peut-être pour des raisons d'emploi, peut-être pour d'autres raisons, qui captent un petit peu des populations ou en tout cas des mobilités. Et peut-être que l'une des réflexions qui peut être possible, qui peut être envisagée, c'est de voir comment ces centres secondaires pourraient être des relais pour des politiques publiques, peut-être pour des lieux de covoiturage, peut-être pour autre chose, peut-être aussi pour l'articulation de ce qu'on appelle des lieux d'intermodalité peut-être un petit peu plus intense. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, et peut-être que c'est déjà prévu d'ailleurs au PDU, peut-être que le SCOT a déjà réfléchi sur ces centres secondaires, et on va voir tout à l'heure qu'à la fois il y a des centres secondaires qui peuvent être dans une certaine forme de couronne de Poitiers, mais... Dans une carte suivante, on verra ce qu'on pourrait peut-être appeler presque comme des centres tertiaires, c'est-à-dire des éléments qui sont plus loin de Poitiers, mais qui peuvent aussi être des lieux de concentration, peut-être en tout cas de pilotage ou d'influence ou d'interaction sur les mobilités. Donc l'intérêt de ces cartes, ce n'est pas forcément seulement de pouvoir souligner des flux existants, c'est peut-être aussi d'aider la collectivité à repérer des lieux où elle a des leviers possibles, parce qu'il y a déjà accumulation, etc. Et pour
juste faire un signe. À un moment donné, on a l'espace Mendès France coopéré avec le département des Deux-Sèvres, et à un moment donné, on a vu le département des Deux-Sèvres se lancer dans une politique de schéma d'aire de covoiturage. Et on s'est dit qu'il y avait plein de choses à faire, et le département des Deux-Sèvres réfléchissait à 90 aires de covoiturage. Donc on voit que quand on est en train de se lancer sur une politique de covoiturage, on peut penser qu'autour du covoiturage, il y a d'autres politiques qui peuvent être menées, en liaison avec les centres-bourgs, en liaison avec d'autres pratiques, voilà, etc. Donc les lieux où on peut piloter des concentrations de flux, soit parce qu'on va faire de l'intermodalité, soit parce qu'on va faire du covoiturage, voilà, les statistiques permettent d'accompagner, je pense que c'est déjà fait et largement par la collectivité, des lieux ou des espaces, où, des territoires où on peut mener des actions publiques particulières. Je dois juste préciser aussi, évidemment, que ces flux qui sont de communes à communes ne prennent pas en compte des flux aussi très très importants qu'on représentera plus tard à ces échelles-là et aux échelles infracommunales. Ce sont les flux finalement à l'intérieur, c'est-à-dire que de Poitiers à Poitiers, on n'a pas encore représenté tous les flux. Donc on a les données. Si à l'intérieur, on les a. Entre domicile et lieu de travail de commune à commune. Oui. Non, on n'a pas de quartier à quartier. On a à l'intérieur des communes. Débat, il y a débat. Si, si, en fait, on a les flux à l'intérieur des communes, c'est-à-dire j'habite à Poitiers, je bosse à Poitiers, on sait combien. On sait combien font ça, mais on ne sait pas oui. Lequel où ça va. Oui. On ne sait pas où ça va. Oui, mais on sait à l'intérieur d'une commune combien de personnes. Ce qui, du coup, débat clos, ce qui, du coup, on va l'approfondir. C'est ça. On est là. Qui, du coup, on le représentera plus tard, mais il y a aussi beaucoup de mobilité, et ça rentre en ligne de compte à ce qu'on dira tout à l'heure, mais par exemple, d'un point de type Poitiers-Centre vers Poitiers-Campus ou Poitiers-CHU, mais aussi Poitiers-CHU vers Poitiers-République, par exemple, zone de République, ou Poitiers-Sud, avec toute la zone commerciale. Donc ça, c'est des flux aussi très très importants, finalement, qu'on verra par la suite. Ce que vous voyez à l'écran, maintenant, c'est une autre observation que l'on peut faire de ces flux-là. Oui. Ce sont finalement des communes qui sont pas limitrophes, qui sont un peu plus lointaines, qui ont des flux toujours sous forme un peu d'étoiles, plus ou moins équilibrés dans l'espace, mais qui cette fois-ci ont une dépendance un peu moins importante avec la commune de Poitiers. Alors il y a toujours des flux assez importants, mais on est un peu moins sur le système du binôme où la destination principale ça va être Poitiers. Et l'origine des flux, ça va être Poitiers. Là, on est un peu plus répartis sur tout le territoire. Et c'est là où je vous indiquais que je voyais les centres tertiaires par rapport à ma réflexion de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit que Lusignan, Vivonne, Chauvigny, Montmorillon, qui on voyait bien sur la carte ailleurs, aussi sont trois ou quatre lieux qui peuvent articuler des mobilités, qui ont la sensibilité particulière que signalait tout à l'heure Mathieu, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu moins centrées que les autres sur Poitiers, elles ont un petit peu plus d'autonomie par rapport à Poitiers. Donc là aussi, peut-être un travail qui est Chauvigny et Lusignan qui sont à l'intérieur de Grand Poitiers, avec lequel on peut faire un travail particulier. Là, ce qu'on pourrait souligner, c'est quelque chose d'extrêmement classique, puisque ça recouvre à peu près ce qui peut être le cas français. C'est la répartition modale, comme on l'appelle dans le jargon, entre les différents modes de transport. Hein. Donc vous voyez, la voiture, c'est 78% sur Grand Poitiers. Au niveau national, en 2017, les derniers chiffres qu'on a au niveau national, c'est 2017, c'est 80%. Donc vous voyez, 78-80, on est dans les mêmes ordres de grandeur. On peut voir que ceux qui sont sans transport ou marchent, c'est 7%. C'est un petit peu inférieur, je crois, au niveau national. Les deux roues, c'est 3%, c'est assez faible sur Poitiers. Une indication, l'agglomération bordelaise, on pense que c'est 11%. Donc vous voyez, entre 3% Poitiers et 11%, c'est un peu significativement différent.
si tu peux. Voilà. Et donc, là, vous avez la répartition par rapport au déplacement en voiture de ceux qui utilisent beaucoup la voiture et ceux qui l'utilisent un petit peu moins. Et on retrouve à l'échelle de Grand Poitiers ce qu'on peut voir aussi au niveau national. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, je crois, dans une des... C'est que les Poitevins à l'intérieur de Poitiers utilisent beaucoup moins la voiture que soit ceux qui sont à l'est, soit un certain nombre de ceux qui sont au sud-ouest, sauf un petit encadré vert là, qui est vraisemblablement au bord d'une ligne TER et où certaines personnes prennent le train pour aller à Poitiers. Donc vous voyez que le fait de ne pas utiliser sa voiture, c'est aussi corrélé avec le fait d'avoir d'autres possibilités de se déplacer et d'avoir d'autres moyens de transport. Une petite note, c'est que ça se corrèle aussi avec la situation nationale, puisque ceux qui, parmi les régions qui utilisent le moins la voiture, il y a l'Île-de-France, et à peu près 50% des flux en Île-de-France sont des flux en TCU, comme on le dit. Donc voilà, vous voyez cette traditionnelle négociation centre-périphérie au niveau de l'utilisation de la voiture. Et vous voyez l'inverse sur l'autre carte, même si vous voyez que par rapport à l'utilisation des transports en commun, c'est un petit peu plus fin encore si on regarde la carte, puisque vous voyez d'autres lieux. Le lieu qu'on voyait apparaître tout à l'heure, c'était celui-là. C'était celui-là. Et vous voyez que d'autres à côté apparaissent aussi, hein, que ce soit ceux-là qui étaient à peu près de la même couleur rouge tout à l'heure, utilisent aussi les transports en commun. Voilà. Il y a d'autres données évidemment qu'on a essayé de mobiliser, mais que l'on va un peu laisser de côté pour le moment pour des questions d'homogénéité sur le territoire. Ce sont les fréquences routières et notamment les comptages routiers sur Grand Poitiers pour une question d'étendue finalement de la donnée qui, sur tout un périmètre d'un EPCI, sont un peu lacunaires. En fait, on a surtout Poitiers, mais assez peu le reste de l'EPCI. Voilà. Bon, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on va passer dans la salle, n'hésitez pas. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Moi, j'aurais deux questions en fait. La première sur celle que vous avez présentée au début sur la comparaison de Poitiers avec d'autres villes similaires. Ce qui m'a un peu interpellé, moi, c'est par rapport à des villes qu'on connaît puisqu'on a travaillé dessus un peu. C'est pour ça qu'il y avait Nancy, par exemple, il y avait Caen. Et donc, en fait, quand souvent on pense à Poitiers, il y a la logique de complémentarité de Poitiers avec d'autres villes à côté, notamment Châtellerault, mais aussi Niort. Finalement, quand on pense à puis le poids des secteurs publics sur Poitiers, finalement, quand on pense à Nancy, par exemple, la complémentarité qu'il peut y avoir avec Metz, une espèce de petit binôme comme ça où Nancy, la ville administrative, et Metz, peut-être la ville plus industrielle, on retrouve un peu un binôme comme ça. Je me dis finalement au niveau du tissu et au niveau des villes que vous avez pu montrer à l'écran, est-ce qu'il n'y a pas cette logique de complémentarité territoriale? Finalement, quand on compare, on voit Poitiers, Nancy, Caen par exemple, et est-ce qu'on retrouve finalement ce schéma de complémentarité territoriale avec d'autres villes? Enfin, bon, ça dépasse le cadre de l'étude sur Grand Poitiers peut-être, mais bon, ça m'a un peu interpellé. Et la deuxième question, je l'ai oublié. Ah oui, si, bon, je te sollicite parce que tu m'en as parlé. Vous avez montré les secteurs clés sur Grand Poitiers, avec notamment au niveau privé, ce qui ressort, ce sont les centres d'appel. Et donc finalement, ça questionne par rapport aux stratégies de développement économique sur le territoire, où c'est... Alors moi, je ne vis pas à Poitiers, mais je ne pense pas que ce soit le secteur qui soit le plus mis en avant dans la stratégie locale. Et inversement, Étienne, puisque tu m'en as parlé, ce qui questionne aussi, c'est l'absence de certains secteurs par rapport à la stratégie. Tu parlais notamment de l'absence de PME, par exemple, sur la thématique jeux vidéo, alors que c'est quelque chose qui est mis en avant. Donc finalement, il y a aussi ce qu'on voit dans les secteurs clés, puis finalement, ce qui n'existe pas et qui pourtant est très mis en avant dans certaines stratégies de développement local. Alors, sur ça, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Olivier ce matin. Non, mais il n'y a pas de souci. Les centres d'appel, c'est clair, on est tous conscients. Je pense qu'on ne rêve pas de faire carrière dans les centres d'appel. Parce qu'il y a souvent l'image du turnover, du travail un peu à la chaîne. Enfin, c'est un peu on a l'image des fois d'avoir des secteurs qui sont difficilement vivables au travail quotidien d'un point de vue conditions de travail.
Mais c'est que ça pèse quand même plus de 2000 personnes. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ils sont venus à Poitiers. Pourquoi ils sont venus à Poitiers? Ce que disait Olivier, les centres d'appel, ils sont venus à Poitiers parce que le Futuroscope a voulu développer une technopole qui ne remplissait pas. Et il y avait du foncier disponible, pas cher. Et du coup, les centres d'appel, à un moment donné, quand les entreprises ont externalisé tous leurs services de suivi client, prospection client, il y a eu ce potentiel-là. Donc il y a une réalité que les centres d'appel sont là, que le secteur est quand même en dynamique forte en France. Et la question, c'est de savoir comment on l'intègre dans les schémas de développement. C'est vrai. Après, c'est des choix, hein, des choix politiques. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Chacun fait ses choix. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il existe, quoi. Et après, pour ta deuxième question, c'était sur le secteur des jeux vidéo. C'est vrai que quand on regarde les données d'emploi, même les dernières données sur les établissements qui existent, et on voit qu'il n'y a aucun établissement sur le territoire de la zone d'emploi de Poitiers qui embauche qui est spécialisé dans l'édition de jeux vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprise locale qui travaille sur ces questions-là. Il peut y avoir des entreprises locales qui sont référencées dans un autre secteur d'activité qui correspond à leur activité principale et qui ont des activités secondaires qui soient tournées vers l'édition de jeux, de logiciels, etc. Donc ceux-là, on ne les voit pas statistiquement. C'est la limite aussi des données qu'on utilise. On l'a dit, toute donnée, c'est une simplification d'une réalité. Mais c'est une simplification qui est choisie pour donner du sens. Bon là, clairement, on se dit, d'un côté, on se dit, arrêtons d'en faire tout un pataquès de ces questions-là. Mais on peut aussi avoir un regard qui est opposé, de dire, attention, peut-être qu'ils existent, mais qu'on ne les voit pas. Donc comment on peut les voir? Comment on les identifie? Donc ça, c'est des questions qui sont assez difficiles pour nous en tant que chercheurs, parce que, à part faire du travail de terrain qualitatif, connaître son territoire, etc., on ne le voit pas, ça. Et après, il ne faut pas confondre non plus, je pense, alors sans rentrer dans de la polémique, mais il ne faut pas confondre des événements tournés vers le jeu vidéo, comme à Poitiers, on a la Gamers Assembly, c'est un événement touristique de joueurs vidéo. Ce n'est pas une technopole de jeux vidéo à Poitiers. C'est un événement touristique. Voilà. Je ne sais pas si d'autres ont des choses à ajouter. Oui. Ouais, moi, je voudrais réagir à deux choses que vous venez de dire. C'est y a pas de bon ou mauvais choix. Vous dites des choix politiques, des choix... moi, je voudrais quand même signaler que si, il y a des bons et des mauvais choix. Moi, je fais partie d'une association environnementale. Un choix qui fait qu'il y a des milliers de voitures qui transitent tous les jours et qu'on n'a aucune solution de développement, on n'a aucune solution de transport en commun, c'est un mauvais choix, quoi. C'est une mauvaise politique pour les générations futures. Voilà. Donc ça c'est un truc, je sais que vous voulez produire des données qui sont un peu en dehors du politique et qui n'émettent pas d'avis à ce sujet-là, mais c'est quand même des préoccupations qui peuvent qui doivent être dites, je pense. Et puis une autre chose, moi je me demandais s'il y avait des indicateurs, parce que dans la première partie, il y avait les indicateurs que vous avez présentés, c'est des indicateurs de croissance, d'emploi et de chômage. Je me demandais si on avait accès à des indicateurs qui pourraient donner une autre vision finalement de la dynamique d'un territoire. Parce que si on pense un territoire qu'en termes de croissance, d'emploi, etc., on ouvre des centres d'appel et on se préoccupe pas d'ouvrir des trucs comme, les salariés du bâtiment, on sait qu'il faut faire de la rénovation énergétique et ils n'entrent pas dans les stats. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui permettent d'avoir une vision, on va dire, moins... technocratique, je sais pas. Tu veux répondre, hein? Effectivement, il y a des choix politiques, on va dire, qui peuvent être faits, de défendre telle activité plutôt que telle autre, etc. Nous, dans un premier temps, ce qu'on se contente de faire, c'est de repérer l'existant et de repérer les activités plus présentes à tel endroit qu'à tel autre. Dans un deuxième temps, on va faire tout un travail de qualitatif, de terrain, pour identifier les problématiques éventuelles. Donc celle que vous avez mentionnée, je pense qu'effectivement, il y a une problématique. Quand on a tous les matins 2500 personnes qui se déplacent en voiture pour aller d'un endroit à l'autre, on se dit, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les choses ou pas? Donc ça, c'est dans un deuxième temps qu'on le fera, quoi.
Centre d'appel, quand même, je compléterai un tout petit peu par rapport à ce que tu disais, Étienne. Encore une fois, nous, quand on avait bossé dessus, c'est un secteur ultra hétérogène. Hein. Donc il y a certains centres d'appel où il y a beaucoup de turnover parce que c'est infernal, et d'autres où les gens sont plutôt bien, hein, et où le turnover est plus faible. Donc ça aussi, mais c'est vrai que c'est quand même un impensé des politiques, ce secteur des centres d'appel. Quand vous interrogez des politiques de tous bords, je pense, sur la zone du Futuroscope, on dit ah, c'est une technopole. C'est là où on va. Bon, et en fait, non, essentiellement, c'est des emplois services relations clients. La deuxième. Oui, alors sur les indicateurs. Bah, oui, non, là, je suis tout à fait d'accord, c'est un sujet ultra important. Bien sûr qu'on va essayer d'en mobiliser d'autres. Là, on est sur l'entrée développement économique. Après, c'est quels autres indicateurs c'est compliqué, hein, parce que en fait, voilà, ça suppose de problématiser un peu. Mais c'est sûr que même se dire que un territoire va bien parce qu'il y a une forte croissance de la population et de l'emploi, j'ai envie de dire non. On constate que, mais on sait très bien que ça peut rapporter des choses au territoire, mais ça pose tout un ensemble de problèmes derrière. Bon, il y a des données qui commencent à sortir un peu plus aussi. Par exemple, on interroge les gens sur leur qualité de vie. Comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent bien ou pas, etc. Il y a une petite note qui est sortie, je ne sais plus, là, par, je sais, c'est l'Observatoire du bien-être, je crois, avec des données géographiques qui montrent, par exemple, que bah, en fait, les gens qui se déclarent le mieux dans leur vie, c'est des gens milieu rural, en fait, habitants de territoires plutôt ruraux. Et en fait, plus on monte dans les hiérarchies urbaines, et moins les gens sont contents. Et là où les gens sont le moins satisfaits, c'est à Paris. Donc c'est intéressant. Enfin, ce serait bien qu'on ait plus de stats comme ça et de croiser, justement. Par exemple, sur cet indicateur-là. Je voulais juste compléter la réponse pour ce qu'on appelle les bonnes ou les mauvaises politiques. Ce qu'il faut peut-être intégrer, c'est que le choix de la voiture, c'est un choix qui date des années 60. Donc les politiques publiques qui aujourd'hui sont considérées comme étant négatives, elles ont été décidées en 1960. On peut penser qu'elles ont eu beaucoup d'inertie et qu'elles ont beaucoup de dommages aujourd'hui, mais on ne va pas remonter le temps pour retourner dans les... Et ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place aujourd'hui sont des politiques beaucoup plus complexes qui tiennent compte pas seulement de la capacité qu'on peut avoir à changer des infrastructures, mais par exemple au niveau du covoiturage, au niveau d'autres politiques de déplacement qui s'appuient plus sur les choix individuels. J'allais dire, quand on a fait des routes, on a fait des choix pour les gens. On les a mis dans les voitures, puis ensuite on a mis des routes ou des rocades ou des autoroutes pour les concentrer. Aujourd'hui, on n'a pas du tout le même type de politique à mener, puisqu'on est face à des gens qui sont beaucoup plus autonomes, qui revendiquent aussi beaucoup plus, j'allais dire, leur choix de vie, et qui, même s'ils peuvent revendiquer, on l'a vu ce matin quand on faisait le rêve de sa mobilité, qui peuvent revendiquer des mobilités vertes, des mobilités durables ou des mobilités apaisées, ils n'ont pas forcément dans leur quotidien et dans les contraintes qui s'imposent à eux, toujours les possibilités d'aller vers ce qui peut être leur choix ou leur décision. Et c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à ce que peut être le covoiturage, de changer les mentalités, parce que ce qu'on doit changer, c'est pas seulement les pratiques ou les équipements, c'est ce que les gens ont dans la tête. Et ça, on ne sait pas le changer à la même vitesse qu'on a changé l'équipement des territoires. Alors, je reprends un peu ce qui est dit là. Olivier, quand j'entends un chercheur comme vous qui dit « Ouais, il y a des choix politiques », ok. Mais si vous leur donnez surtout des données avec l'articulation croissance économique, parce que j'ai vu ça dans les diapos, et croissance de l'emploi, eh bien vous les orientez sur un espèce de dogme qui est de dire « Il faut augmenter l'activité économique pour augmenter l'emploi », qui ne tient plus trop maintenant, puisqu'il semble qu'avec 1,5%, moins d'un demi pour cent de croissance, il n'y a pas d'emploi qui se crée. Donc là, si on reste là-dessus, on renforce cette espèce de vision mathématique qui remonte à perpète. Alors que, et je rejoins un peu ce que tu disais, si, quand il y a de la croissance économique, c'est-à-dire plus de PNB, c'est plus de matières premières, plus d'énergie consommée, et sur cette planète, eh ben, on ne peut pas continuer de consommer toujours plus. Et je me disais, en vous écoutant, autre indicateur, c'est compliqué, vous dites. Mais ouais, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas s'y coltiner. Et il faut peut-être justement oser aller chercher d'autres trucs qui va peut-être un peu dépayser les élus qui sont avec les repères financiers et autres. Et effectivement, en vous écoutant sur la première partie de la présentation avec les trois économistes, il y a quand même d'autres critères qui sont l'attractivité d'un territoire. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'emplois que les gens viennent là? D'après le
micro-trottoirs, on disait, on avait un peu cette impression-là. Il y en a qui sont tombés amoureux, il y en a qui ont été nommés ici, etc. Mais quand il y a plus de services, parce qu'il y a... Alors, le tribunal, c'est pas toujours là où on a envie, mais il y a de moins en moins de tribunaux, donc ça fait plus en plus de déplacements quand on est convoqué au tribunal. Quand il n'y a plus de poste et qu'il faut aller ailleurs, les hôpitaux, les maternités, on est quand même... Ça peut contribuer aussi à ce que les gens choisissent à l'hôtel territoire pour habiter et pour travailler. Alors, si on cherche un endroit calme, où il y a du boulot, où il y a beaucoup de services, beaucoup d'offres, de loisirs, etc., moi, j'ai un exemple, c'est Freiburg, en Allemagne, où j'étais il y a encore un mois, et j'y étais il y a 9 ans, et ça me fait du bien de voir des villes comme ça de 210 000 habitants, où on roule à 10-30 km en voiture. Je n'ai pas entendu un seul coup de klaxon. Pourtant, les Allemands, ils aiment bien la bagnole. Hein. J'ai jamais été, on était à vélo. On s'arrête au feu rouge. Il y a entre 5 et 10 personnes à côté à vélo qui attendent que ça passe au vert. Des gens de tous âges. Et dans la rue, il y a des marelles de dessinés. Parce que comme les gens roulent à 10 km/h, les gamins peuvent utiliser ces aires de jeu qui sont aussi des aires de circulation. Et puis, il y a un rideau de 30 ou 40 mètres d'arbres, voire 15, 20 mètres. Entre le lotissement, avec des bâtiments à 3-4 étages, ce n'est pas des petites résidences individuelles qui bouffent énormément de terrain, avec du goudron et puis juste la place pour garer la tondeuse pour les 10 mètres carrés. Et puis la voie, la 4 voies ou la 2 voies, elle est l'autre côté des arbres qui sont restés. On regarde sur la rocade de Poitiers, là, ils viennent encore de bousiller des bois pour faire un lotissement. Donc les habitants vont être super contents d'entendre le flux de bagnoles. On est sur des... Bon, ça c'est la première partie. Et la deuxième, sur les déplacements, alors une anecdote, ma compagne qui, entre autres, est prof, depuis septembre, elle n'a pas encore pris sa voiture perso pour aller au boulot à Poitiers et à Châtellerault. Parce qu'elle n'aime pas conduire. C'est pas qu'elle est complètement écolo, mais elle n'aime pas conduire. Donc, c'est vélo, voiture, covoiturage, etc. Et puis, son amie qui est prof à Poitiers, elle avait une voiture, elle en a acheté une autre, 8000 euros d'occasion l'été dernier, avec boîte automatique parce qu'elle trouvait que c'était mieux. Elle n'a pratiquement pas utilisé pour aller au boulot parce qu'elle a découvert le vélo. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on déclenche chez les personnes des changements de comportement et les changements de comportement par rapport aux aires de covoiturage? Celle de Poitiers, je ne sais pas si elle marche, mais je sais que celle qui marche ailleurs, Belfort et autres, c'est parce qu'il y a un parking avec tout un tas de services autour. La poste, la possibilité de récupérer son colis arrivé par Amazon ou autre, j'espère plutôt d'autres, le teinturier, la boulangerie, etc. Si on est sur un parking mort avec rien autour, il ne faut pas trop s'étonner que les gens ne garent pas leur voiture là. Et ce qui est peut-être plus corsé à faire dans l'étude, c'est que les déplacements, des fois c'est juste du domicile au travail, mais moi je vois aussi mes voisins, voisines, ils prennent les gamins dans la voiture, ils les déposent à l'école, ils ont peut-être un autre truc à faire, et ça, c'est plus compliqué. Mais là, pareil, à Freiburg, j'ai vu le long de la crèche, qui a été conçue par les architectes pour pouvoir être transformée en maison de retraite dans quelques décennies. Donc les mecs, ils réfléchissent, hein, ou les filles. Et donc, à la crèche, il y a 10-15 petites remorques dételées par les parents, les petites carrioles qui a 200 euros, hein, pour amener leur gamin à la crèche. Ils dételent la remorque, ils s'en vont au boulot dans la ville, et le soir, ils rattellent la carriole en remettant les gosses dedans. C'est possible, la preuve, des Allemands le font, entre autres. Et bon, j'arrête là, parce que je suis un peu long. Quoi. Non, mais... Il faudrait, oui. Allez-y, si vous avez. Il faut nuancer. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de voir dans le flux de voitures qui rentrent à Poitiers, par exemple, quelle est la proportion de voitures qui viennent avec une seule personne, voire trois ou quatre. Déjà, c'est quatre fois moins de bagnoles s'ils sont quatre dedans. Et le covoiturage le matin n'est pas nécessairement avec la même composition que le soir, mais ça, c'est encore pas évident dans les têtes de chacun. Et puis, le flux de voitures qui sont là juste pour passer, parce qu'ils vont de Nantes à Limoges, et aussi les gens qui viennent pour le loisir, ou parce qu'il y a le tribunal ou la maternité qui n'est plus au Blanc ou ailleurs. Alors ça complique un peu l'étude, mais ça serait intéressant après pour savoir s'il faut faire une nouvelle rocade par rapport aux bouchons qu'il y aurait, paraît-il, du côté de Mignalou. Mais ça peut faire un aspirateur à bagnole aussi, d'avoir une nouvelle rocade. Alors, peut-être, ouais, juste, je dis... moi, je partage votre, je comprends votre remarque sur les indicateurs, etc. Non, alors nous, comment dire,
Moi, je partage totalement votre avis sur le fait que le modèle qu'on a de croissance, etc., il pourra jamais, il pourra pas, il est pas éternel. Tout le monde le sait. Il y a d'autres solutions à trouver. Là, en fait, l'idée de présenter des résultats comme ça. Alors, première chose, c'est que là, on a commencé tout juste de travailler. Donc, en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est juste des premiers éléments par rapport aussi aux compétences qu'on a nous pour analyser certaines choses. Il y a des éléments sur lesquels on n'est pas compétent ou pas totalement compétent. On va travailler avec d'autres collègues de d'autres disciplines, mais ça va venir dans les deux ans. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui, on a fait le choix économie-mobilité. Ce n'est pas un choix limitant. C'est juste une entrée. Et ensuite, sur les indicateurs, le fait qu'on mobilise les effectifs d'emploi, la croissance de l'emploi, c'est juste observer ce qui se passe. On ne dit pas la croissance, c'est bien. Alors, on a tous intégré ça en nous, presque, depuis tout petit. Si on a nos notes qui augmentent à l'école, c'est bien. Si elles diminuent, c'est pas bien. Donc, en fait, il ne faut pas lire les plus et les moins. Le plus, c'est bien. Le moins, c'est pas bien. C'est juste le plus, c'est le plus. Le moins, c'est le moins. Il n'y a pas de jugement de valeur. On n'est pas non plus, ce que disait tout à l'heure Olivier, la logique de vouloir croître. Enfin, quel est l'intérêt pour une ville comme Poitiers ou son agglomération de chercher à croître? Bon, bah, peut-être pas quand on voit le discours des gens. C'est vrai qu'il y avait... Bah nous, on aime bien le côté calme. On aime bien la périurbanisation, ce que vous disiez et tout. Là, c'est des choix politiques. Mais nous, on défend pas du tout l'idée. En tout cas, on défend aucune idée dans cette présentation-là. C'est pas de dire il faut que la population croisse plus pour être au même niveau qu'au niveau national. Il faut que l'emploi croisse plus pour être au même niveau national. On n'est pas du tout... l'idée, c'était pas, vraiment pas d'être dans cette logique-là. Donc, je comprends après que les sensibilités de chacun... font qu'on a envie de voir des choses changer dans un sens, dans un autre, etc. Donc là, après, ça va au-delà de ce que nous, on apporte aujourd'hui. Donc c'est intéressant aussi, la question des indicateurs. C'est vrai que nous, économistes, on traite beaucoup, par exemple, de données. On traite de la donnée. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où il y a beaucoup, beaucoup de données. Mais finalement, les données qui nous permettent de nous prononcer sur des dynamiques territoriales, notamment d'un point de vue économique, elles ne sont pas si riches que ça. C'est pour ça qu'on a choisi l'emploi. Et l'idée, c'est si on veut parler de la dynamique économique, l'emploi, c'est ce qu'il y a de plus fiable. On peut dire, même si on est dans une transition énergétique, il faudra bien de l'emploi pour les gens à un moment donné. On ne peut pas avoir que des postes de... Enfin, on peut pas... ou alors, il faut revoir complètement le système de distribution des richesses, etc. C'est une autre question. Moi, je complète, enfin très vite, mais pour dire bah, pareil, hein, c'est, je suis tout à fait d'accord aussi avec l'idée que le choix des indicateurs qu'on présente aux gens structure aussi leur représentation. Assez souvent, dans des conférences, quand je présente des cartes, même de zones d'emploi, ou la première carte que tu as montrée, je me dis faut qu'on arrête de faire ça. Parce que tout de suite, les gens comparent les territoires les uns à côté des autres, se disent est-ce que je suis en vert clair ou est-ce que je suis rouge, etc. Et aller beaucoup plus sur... présentation, ce qu'on commence aussi à faire là, sur justement le repérage de toutes les interdépendances. Et donc moins raisonner par zone, hein, mais plutôt par flux, etc. Donc c'est ce qu'a dit Étienne. Hein, notre idée, c'est de multiplier les points d'analyse et pas se limiter là-dessus. Et franchement, enfin dans tous les textes que j'ai rédigés récemment, à chaque fois je dis un des premiers trucs, c'est qu'il faudrait absolument que sur tous les territoires, on se sorte de cette obsession de la croissance. Que voilà, c'est pas effectivement, il faut, mais ça suppose de se réinterroger sur ses objectifs en fait. C'est quoi les objectifs des personnes en responsabilité d'un territoire. Mais ces objectifs-là, bah, ça va dépendre de leurs valeurs. Quelles sont leurs valeurs un peu fondamentales. Donc il y a tout un travail aussi à faire qui est pas si simple. Quoi. Juste un mot. En prenant le prisme que vous nous invitez à prendre, on peut effectivement lire ce qui a été lu d'une autre manière. Donc il faut aussi qu'on s'interroge. Qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre que c'est une ville qui est hyper spécialisée, nos collègues historiens nous l'ont dit depuis longtemps, sur le care finalement, enfin sur le bien-être, l'éducation, les associations qui font beaucoup de choses en faveur des populations, sur la prise en compte de la dépendance, la prise en compte des problèmes sociaux, etc. On a une vraie activité dans ce domaine. En fait, l'administration de la chose publique qui est orientée au service des citoyens. Et donc ça ressort très fort.
Et ensuite, on entend des témoignages et on est tous conscients parce que on vit là et on entend des choses. Les petites capsules nous disent, on est là parce que on se sent bien, c'est calme. Bon, il y a une certaine manière de rendre la réalité du cadre de vie. Et donc, effectivement, on s'est dit, si c'est ce capital-là, on n'en a pas conscience et il y a un héritage historique autour duquel on peut créer des choses, eh bien, on rate effectivement une lecture de la dynamique de ce territoire. Et donc, vouloir attirer ou jouer une carte qui serait semblable à un territoire qui réussit, entre guillemets, parce qu'il a créé beaucoup d'emplois, ou à des territoires qui sont sous le feu de l'actualité, eh bien, c'est peut-être se tromper. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos ressources? Quelles sont nos spécificités? Et sachant les cultiver. Et moi, je crois que ce qui a été montré là aujourd'hui, et dans la direction que vous nous invitez à prendre, il faut qu'on essaye de réfléchir sur quelles opportunités pour l'action publique qui ne seraient pas singer les métropoles ou qui ne seraient pas singer des territoires qui sont dans l'hypermondialisation. Et juste une chose, l'exercice est intéressant dans la mesure où on a quelque chose à inventer qui ne peut même pas forcément se trouver dans les territoires qui nous ressemblent. Moi, j'ai été très étonné de voir la sélection des villes qui, sur un certain nombre de critères, pourraient être ressemblantes à Poitiers. Parce que quand on regarde, même à ce niveau-là, en ayant fait une sélection, en se disant « regardons les gens qui nous ressemblent », eh ben, même de ce point de vue-là, il y a dynamique extrêmement différente. Donc peut-être on peut trouver Fribourg. Et donc c'est peut-être ça qui peut nous inspirer, à condition de savoir où on veut aller. Alors donc juste je termine, c'est évidemment en regardant ce qui s'est passé antérieurement et qui fait qu'on a une identité particulière qu'on pourra éclairer l'avenir. Et c'est certainement pas en singeant des choses, des modèles qui semblent réussir sous le prisme du développement économique. Et d'ailleurs j'ai noté cette phrase parmi les gens qui se sont exprimés pour le petit micro-trottoir, il faut savoir s'arrêter. Donc, c'est l'hubris, hein. On dit enfin, il faut qu'on soit toujours plus grand. Là, il y aura des choix politiques à faire. Alors, j'espère qu'on pourra bien les éclairer. Et merci de ces commentaires, parce que ça va nous aiguillonner pour aller chercher d'autres choses qui, j'espère, pourront éclairer le débat de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Je voudrais faire une dernière petite virgule, puis après on vous donne la parole, pour aussi corréler ce qu'on disait sur la mobilité avec des choix résidentiels. Une des questions qui se pose, me semble-t-il, aussi aujourd'hui en termes de politique publique, c'est est-ce qu'on densifie ou est-ce qu'on continue à laisser le pavillonnaire, j'allais dire continuer par nappes, aller de plus en plus loin? Parce que la question des mobilités, elle se résout aussi en termes de quel est le prix de mon pavillon, quel est le prix du mètre carré. Simplement rappeler que pour ceux qui étaient à Poitiers et qui y sont nés il y a un petit bout de temps, on était 30 000 sur le plateau. On n'est plus que 15 000 aujourd'hui sur les 200 hectares qui font le centre de Poitiers. Donc, est-ce que les Poitevins eux-mêmes sont prêts à voir revenir une certaine forme de densité d'habitat sur la ville? Si on écoute les virgules de ce matin, non. On voit bien que les gens aujourd'hui n'ont pas envie que ça se construise à côté de chez eux. Et donc, si les gens ne sont pas prêts à ce que ça construise à côté de chez eux, ça veut dire qu'on va continuer à étendre une nappe pavillonnaire qui, allant de plus en plus loin, sera peut-être de moins en moins chère en termes d'installation et d'habitat, mais sera de plus en plus coûteuse en termes de CO2 et de voitures. Il y a quelque chose de l'ordre des mobilités et de l'habitat qui se joue aussi d'une discussion sur laquelle on a un certain nombre de contraintes, là, qui sont pas seulement des contraintes de est-ce que les gens sont prêts à faire du vélo ou est-ce qu'ils sont prêts à aller y faire du covoiturage? C'est est-ce qu'ils habitent encore assez près pour que ça ait du sens pour eux? Ou est-ce qu'ils commencent à habiter Montmorillon ou Mirebeau? Ça commence, me semble-t-il, à être un peu loin, quoi. On discutait avec des Châtellerodais qui nous disaient tous nos jeunes Châtellerodais, ils veulent aller à Poitiers. Donc on voit qu'il y a des captations comme ça de flux qui vont au-delà. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va être, à mon avis, compliqué à piloter pour les politiques publiques, c'est ce deal prix de l'habitat, redensification de l'urbain. Voilà. Peut-être une dernière question. Je suis intéressée et interpellée par la donnée mobilité, en fait. Je trouve qu'il y a des choses que vous avez présentées qui m'ont frappée. C'est la petite tache un peu plus claire orange, si j'ai bien compris, au niveau de Lusignan, sur l'utilisation de la voiture par rapport à d'autres secteurs aussi éloignés de Poitiers. Ouais, voilà.
Et j'ai cru comprendre dans les discussions qu'il y avait encore une ligne, j'ai appris récemment qu'il y avait encore une ligne TER qui circule en fait entre Poitiers et Lusignan. Et finalement, alors est-ce que ça explique cette tâche un peu plus claire? J'imagine qu'il y a quand même un lien de causalité. Et je me dis à quel moment, nous, citoyens, on peut s'emparer de ces données-là pour interpeller les politiques publiques, parce qu'a priori, ils ne s'interpellent pas eux-mêmes. Enfin, à un moment donné, moi, je me dis, voilà. Je pense qu'on est aussi là pour ça, de discuter de cette appropriation par les citoyens de ces données-là et de se dire, bah, à un moment donné, comment on peut peser dans la balance. Et donc, moi, ce que je disais tout à l'heure dans l'atelier Carto, c'est qu'aujourd'hui, je ne me sens pas en capacité de faire un choix de ne pas prendre ma voiture. Concrètement, j'habite Chauvigny, enfin, pas loin. Je vais à Poitiers, à Châtellerault, souvent, et voilà, j'ai pas d'alternative qui me paraisse acceptable par rapport au temps que je suis prête à consacrer à ma mobilité. Pour autant, je me dis qu'il y a peut-être quand même des choix à imposer aujourd'hui de société, de bien-être. Enfin, c'est pas uniquement la question environnementale, même si je suis très sensible aussi, mais aussi de bien-être de tous ceux qui travaillent loin de la centralité pour des raisons X ou Y, hein, mais... Voilà. Et du coup, comment on peut... Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire de rendre public ces données-là et beaucoup plus accessibles en disant, mais à un moment donné, qu'on se les approprie et qu'on dise, bah, ça suffit maintenant. Et elles sont prises comment, les décisions politiques? Elles sont... Les gens qui prennent des décisions sur on arrête de... Enfin, on ferme les lignes ferroviaires, on ferme les TER, on privilégie les grandes lignes, elles sont prises sur quels critères? Voilà, c'est tout. Oui, merci beaucoup de vos réactions. Donc, comme on l'a dit, nous allons creuser ces différentes problématiques, premiers éléments, mais qui méritent vraiment d'être proposés au débat, parce que on a bien vu que ça va engager l'avenir très profondément pour les uns et les autres. Nous allons avoir donc la représentation théâtrale. Les flamants roses ont eu les pieds dans l'eau toute la journée, donc là, ils vont pouvoir s'envoler. Donc nos flamands sont prêts. Il y aura une pause donc juste avant. Ouais. Il y a une pause donc, maintenant. 10 minutes, oui, 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 oui. Et la représentation aura lieu ici. Oui. Et donc, ça durera une demi-heure. Et vous pourrez ce sera réagir. Suivi par un temps d'échange assez approfondi, si même. Enfin, j'imagine le temps d'échange, par exemple, toutes les questions que tu as mentionnées sur comment sont prises les décisions, etc. C'est des choses aussi qu'on peut intégrer. Voir nous comment on va faire de la médiation pendant les deux années. Si vous avez des idées de médiation pour diffuser tout ça, c'est aussi intéressant de nous les faire remonter à ces moments-là. Donc ça, ce sera dans un second temps. Donc je vous invite à aller prendre l'air si vous avez besoin, discuter, voilà, nous interpeller, puis revenir ici dans 10 minutes, on peut se dire vers 25. Juste un petit point là sur, entre guillemets, l'usage des données. Tous les documents sont en ligne sur les deux petites pages qu'on a mentionnées. Si vous voulez interpeller des gens avec des impressions à l'écran, allez-y, profitez-en, ça coûte pas cher, enfin ça coûte du papier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des données publiques, il n'y a pas de confidentialité, c'est des données de l'INSEE, il n'y a pas des traitements particuliers, enfin, il n'y a rien de complexe. Vous pouvez les réutiliser et les apporter dans plein de débats différents.